Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un tirage que vous m'avez demandé puisque nous allons parler d'Yvon Colonna. J'ai commencé à procéder au tirage de certaines cartes et je vais finir avec vous le temps de vous saluer, de vous dire que j'espère que vous allez bien. Et effectivement, m'excuser pour la vidéo qui a été présentée comme étant celle d'Yvon Colonna et qui était en réalité dédiée à Claude François. Donc je vous prie de m'en excuser et je vais immédiatement corriger cette erreur en vous postant un tirage concernant Yvon Colonna qui a déjà été fait du coup, mais que j'ai supprimé. Donc il faut que je recommence le tirage. Je suis un peu déçue parce que j'avais eu des réponses qui étaient plutôt intéressantes à étudier, notamment au niveau de ce qui lui est arrivé lors de sa mort. Et savoir un petit peu plus de renseignements pour sa famille si besoin était. Savoir un peu comment les choses se sont passées autour de lui. Donc là, j'ai tiré des cartes donc du tarot des oppositions. J'ai également pris l'oracle de la voix des âmes et le jeu de haut pour compléter. Allez, je vais prendre les cartes classiques du jeu de haut. Et puis après, j'essaierai de voir éventuellement avec le résilio ou avec d'autres cartes si nous en avons besoin, s'il y a un complément d'information au sujet d'Yvon Colonna qui est nécessaire. Et donc là, moi, je m'intéresse au dernier jour de sa vie et à ce qui s'est passé pour lui. Donc, voir un peu si c'était quelque chose qui aurait pu être évité. Je sais qu'il avait demandé à être mis en sécurité, mais ça n'a pas été entendu. Et malheureusement, eh bien, ça aurait dû, puisqu'aujourd'hui, nous savons qu'il n'est plus parmi nous. Alors c'est vrai qu'il a été un personnage controversé. Volontairement, je n'avais pas trop regardé les informations le concernant de nouveau pour faire un tirage le plus objectif possible. Et puis, il s'avère que malheureusement, j'ai fait une mauvaise manipulation qui a conduit à ce que je recommence. Donc j'espère que ce tirage sera aussi clair que le premier et que j'en tiendrai autant de réponses. Donc on va commencer avec le tirage de la voix des âmes. Je vais les mettre ici pour que vous les voyez mieux. Donc j'ai la libération, les reproches et les secrets. D'accord. Libération, reproches et secrets. Bien. Il a vraiment dû avoir une détention qui n'a pas forcément été très simple, semble-t-il. En tout cas, il n'était pas fait pour être enfermé, ça se confirme ici avec la carte de la libération. Pour moi, on parle quand même plus d'une libération de cette vie qui pouvait parfois être sûrement très difficile pour lui. Et je rappelle qu'il était en prison pour le procès de l'assassinat d'un préfet, le préfet Erignac, et que lui disait qu'il n'avait rien fait, je crois. Donc, libération, pour moi, on nous parle vraiment d'une personne qui n'était pas prête à partir du tout, hein, et qui, malgré tout, savait que c'était le moment. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le moment est venu, le moment est venu de se libérer. Le moment est venu de laisser partir les dernières résistances. Donc, on voit bien que, comme je vous le disais, il le savait. Donc, il nous dit, l'entité nous dit qu'elle est en train de se libérer et de créer une nouvelle énergie intérieure. Il nous dit « Je suis dans une énergie d'évolution positive ». Et il nous dit qu'il sait que beaucoup de monde pense à lui. Et il est content que sa famille ne l'oublie pas et ait des souvenirs joyeux avec lui. Il demande à ce qu'on allume des bougies à son intention. Et il nous dit en fait qu'il n'est pas dans la colère ou dans la rancune, qu'il est dans l'apaisement, le pardon et la reconnexion avec lui-même. Cela est déstabilisant par moments, mais cela apporte réconfort et bienveillance. Donc, on sent ici qu'il y a également une demande d'aide. C'est comme si
Je ressentais qu'il demande à ce qu'on ne l'oublie pas, voilà, qu'on ait des intentions, des prières, des choses pour lui, pour pouvoir l'aider à continuer d'évoluer. Quand il dit qu'il n'y a pas de colère, je pense que c'est le fruit d'une évolution. Car je ressens, moi pourtant, beaucoup de colère au départ, donc tant mieux si ce n'est plus le cas. Et on voit ici les reproches. Donc on nous parle ici avec les reproches au niveau de l'entité. Je ressens tes reproches et je les comprends. J'en avais aussi beaucoup, que ce soit vis-à-vis de moi-même, mais aussi des autres. J'étais très souvent dans les reproches. Je pouvais avoir des difficultés à me remettre en question et je pouvais demander beaucoup aux autres. Ce que je demandais, je ne l'appliquais pas forcément à moi-même. Aujourd'hui, je m'en rends compte. Je me rends compte que ce n'était pas juste pour les autres, ni pour moi. De tous ces reproches intérieurs et extérieurs, je tire un très grand enseignement. Je comprends leur sens et je comprends ce que je n'acceptais pas en moi. Ce que je pensais inacceptable était simplement ma partie sombre. Et quand je la regarde maintenant, je n'en ai plus peur. Je l'accueille, je l'accepte et je l'aime. Pardon si cela a pu t'impacter de façon directe ou indirecte. Pardonne-toi aussi, tu es parfait ou parfaite. Voilà, je pense qu'on va respecter ce message et ne pas essayer d'aller plus loin. Pour moi, les informations qui devaient être données l'ont été très clairement ici, donc inutile d'interpréter plus. Au niveau des secrets, on nous dit que l'entité avait des secrets, qu'il ne le concernait pas directement, mais qu'il conservait des choses qu'il a gardées pour lui pendant très longtemps, des choses qu'il n'a pas forcément partagées. Ses secrets étaient un poids et aujourd'hui, il s'en est libéré. Il dit qu'il sait que ses proches y pensent parfois et qu'ils se posent des questions. Ne crois pas que tu as besoin de tout savoir. Voilà la réponse. Ce qui est important, c'est ce que tu construis pour toi. Mais en revanche, ne fais pas comme moi. Ne garde pas ses secrets pour toi. Libère-toi. Cela n'apporte pas une énergie positive que de garder tout pour soi. Tu peux te libérer de ses secrets. Je t'en apporte la force. Certaines choses ont besoin d'être libérées. Voilà ce qu'on peut nous dire ici au niveau du message qu'il pourrait avoir à faire passer à ses proches. Je trouve que c'est relativement parlant, me concernant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ressort et qui ressort dans une manière plutôt positive. On nous parle d'évolution beaucoup, hein, de faire la paix avec soi et de faire la paix avec les événements. Allez, on a les amoureux, le 3 de coupe, le 7 de coupe, le 7 de pentacle, le chariot et le 10 d'épée. Donc on est dans un jeu qui nous fait déjà part de plusieurs informations qui, je dirais, ont tendance à bien éclairer déjà ce qui s'est passé au sujet d'Ivan Colonna. Donc ici, pour moi, on nous parle d'un homme, qui s'est construit d'une façon il s'est construit d'une façon qui lui convenait. C'est quelqu'un qui savait qu'il pouvait être soit très gentil, soit démoniaque. Il avait cette espèce de grande dualité en lui. On nous dit qu'il a reçu beaucoup de cadeaux, mais que c'était des cadeaux empoisonnés. Il aurait dû avoir une plus grande retenue et faire preuve de plus d'indépendance dans ses choix. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui lui disaient qu'il l'aimait, qu'il devrait être libre de choisir, de vivre, de penser. Mais en réalité, on nous dit que l'amour, en fait, ne nécessite aucun calcul, juste de la simplicité et de l'humilité. Il aurait fallu qu'il pense avec précaution à ses relations et à ce que ça pouvait générer autour de lui. Donc déjà, on nous parle de relations douteuses et je ressens ça un peu comme une jalousie ici, quelque chose où il ne s'est pas méfié, mais où en réalité, son attitude était surveillée et enviée. Donc intéressant, puisqu'après, on a ici la coupe qui arrive et retournée, hein, avec le 3 de coupe retournée. On nous parle plutôt d'une situation où il y a eu des difficultés avec des personnes qui ont joué la comédie et qui étaient vraiment en état de crise autour de lui. C'est des personnes qui n'avaient plus rien, qui le jalousaient et qui ont eu besoin d'essayer de prendre ce qui lui appartenait.
Donc, on lui dit qu'il y avait des difficultés qui étaient à prévoir et en réalité que c'était déjà des personnes qu'il connaissait. On lui disait qu'il aurait dû être prudent dans ses histoires de couple ou avec sa famille. Il y avait des mésentendus, des décisions très importantes et des conversations dans son dos. On peut nous parler d'une rupture au niveau des collègues de travail ici. En tout cas, on nous dit qu'il a été berné et que les problèmes ont augmenté à cause de mensonges autour de lui, dont il a été victime. Donc je ne sais pas, hein, confirmez-moi ou infirmez-moi, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'en profite pour passer un grand bonjour à toute la Corse. Votre île est formidablement magnifique. Pour y être allée à plusieurs reprises, c'est vraiment un endroit que j'aime particulièrement. Et la propreté aussi de la Corse est quand même quelque chose qu'on peut souligner. C'est des gens qui ont vraiment un grand respect, je trouve, en tout cas, de l'écologie. Et c'est vraiment très agréable à découvrir. Donc là, on a le 7 de coupe. 7 de coupe qui n'est pas à l'endroit là non plus et qui nous parle d'illusions, de choses qui ont été éphémères, de rêves éphémères. On l'a berné, on lui a dit qu'il allait connaître un certain succès. Et qu'il allait connaître également une réussite financière certaine, mais ce n'était pas vrai. On dit qu'il aurait dû résister à la tentation et ne pas prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc là, on peut nous parler de volonté de s'enrichir de manière illégale. On nous dit ici également qu'il y a eu une défaite à cause de toute cette envie de luxure, cette envie de s'enrichir, quoi. Bon. Et en plus, on nous dit que du coup, ça salit sa réputation au point que les gens pensent qu'il n'était que vénal. Alors après, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle ici arrive à l'endroit. Et comme on le sait, c'est plutôt positif. Donc on nous dit qu'il aurait fallu penser à travailler beaucoup plus durement pour obtenir quelque chose de mieux. On dit que c'est quelqu'un ici qui n'a jamais apprécié les fruits de son labeur parce qu'il voulait toujours plus ou il avait toujours une autre mission à accomplir. On nous dit qu'il y avait des entreprises un petit peu en sous-main, des choses qui n'étaient pas connues, et on lui disait que ça lui rapportait du succès, que c'était des choses qui étaient intéressantes pour lui. Mais cela l'a fatigué. Il a eu une période de doute par rapport à ses activités souterraines, pourtant qui visiblement étaient lucratives et plutôt, en tout cas, qui lui apportaient ce dont il semble avoir besoin. Mais il a eu des doutes, notamment par rapport aux gens qui l'entouraient. Et là encore, c'est dommage parce qu'il ne s'est pas écouté. On a le chariot qui arrive renversé et qui nous dit qu'il a beaucoup de regrets par rapport à ses actions passées. Il n'a pas fait preuve d'assez de ruse par rapport à ce qui lui était proposé. Il y a eu beaucoup de clashs et de disputes, de bagarres qui ont été causées à cause de malentendus en fait. On nous dit que le plus souvent, il y avait pour raison son impétuosité. Ça énervait beaucoup de monde autour de lui. On lui aurait suggéré de réfléchir avant d'agir et de prendre notion du danger et de la colère que cela pouvait générer chez d'autres personnes. On nous dit également que soit on était vraiment de son côté, soit on était vraiment son ennemi. C'est quelqu'un qui n'avait pas de demi-mesure. Et si on était son ennemi, eh bien, effectivement, il semble qu'il ait été capable de faire tout ce qu'il fallait à ce sujet. Alors, nous avons ensuite le 10 d'épée qui arrive à l'endroit, et ce 10 d'épée qui arrive à l'endroit nous parle après une dure bataille, en fait, et après la période des espérances, des espoirs, il y a toujours des jours meilleurs. Les cycles s'arrêtent et d'autres recommencent, et cela permet un renouvellement, en fait, de situation, et également, ça peut permettre une certaine introspection. Quand il aurait été prêt, il aurait pu changer les choses. Il avait à cœur, en tout cas, de faire mieux que dans le passé. Et il avait des rêves qui semblaient un petit peu être différents. Il avait, semble-t-il, quand même de l'espoir, une nouvelle lumière, des intentions plutôt favorables
autour de sa sortie de prison ou en tout cas d'une mutation. On me parle vraiment des choses qui avaient été négociées et qui semblaient être positives. Auto-saboteur avec les calculs, la science. Ok. Stop et enterré. Ressentiment et la mort. Le danger et la maladie. Les habitudes comiques et éliminer avec violence. D'accord. Donc pour moi, on nous dit clairement ici, on nous a fait croire que soit c'était un suicide, soit on a voulu nous faire croire que c'était sa faute, hein, son décès. En tout cas, on nous parle vraiment d'auto-sabotage. Cependant, il y a des calculs, il y a des notions scientifiques à ce sujet. Il y a des choses qui étaient mises en place. Soit il a appris quelque chose qu'il voulait dénoncer et dans ces cas-là, on lui a mis un stop clairement. On lui a fait enterrer les choses. Hein. Je vois l'appel ici pour moi vraiment. On nous dit qu'il y a des choses qui sont enterrées à ce sujet. Malheureusement, pour lui, ça n'a pas empêché qu'il décède. Et cela crée chez lui un vrai ressentiment. C'est bien ce qui me semblait tout à l'heure. Moi, je ressens vraiment quand même une notion d'injustice profonde. Pour moi, il était menacé depuis longtemps. C'est quelqu'un qui était certainement malade. Alors, peut-être qu'on a fait chez lui des examens, je ne sais pas, lorsqu'il était en prison. Mais de toute façon, on nous parle, pour moi, c'est vraiment une tentative d'assassinat. On peut nous parler de poison ici. On montre une transfusion. Alors, ça peut être un mauvais traitement. Mais on peut nous montrer aussi qu'il était en danger de mort. Hein. Et pourquoi? Eh bien, parce que malheureusement, il fanfaronnait beaucoup. C'est quelqu'un qui, visiblement, savait se montrer... soit on nous parle de son habitude à lui de ne pas montrer son inquiétude, soit on nous parle de personnes autour de lui ici qui ont toujours joué la comédie. Mais le but final, écoutez, est malheureusement là, hein, ça a été de l'éliminer avec violence. Évidemment, comme vous vous en doutez, je vais devoir prendre d'autres cartes pour compléter ces déjà bonnes indications. Je trouve que c'est plutôt... déjà intéressant ce qu'on nous apprend ici, mais ce n'est pas suffisant, donc je vais demander ce qui s'est passé autour de sa mort en fait. Hein, on va déjà demander ce qui s'est passé autour de sa mort, et puis après je poserai la question par rapport à sa culpabilité ou non dans ce qui lui a été reproché d'un point de vue légal. Je pense que ça peut être là aussi très intéressant. Donc qu'est-ce qui s'est passé autour du décès en fait du décès de Monsieur Colonna. J'adresse toute ma sympathie à sa famille, à ses amis, aux personnes qui l'ont connu et aimé. Et bien entendu, j'envoie aussi à Monsieur Colonna toute ma lumière afin d'espérer qu'il puisse être en paix, qu'il puisse être mieux aujourd'hui et que son âme puisse continuer d'évoluer, de monter, d'être plutôt sereine par rapport à tout ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut dire que ce décès a eu lieu, sachant qu'il était quand même très surveillé, j'imagine, hein, et que c'est une personne qui aurait dû en tout cas bénéficier d'un service de sécurité rapproché en prison. Hein. Ça paraît toujours bête de dire des choses comme ça quand on connaît la notion de finance, l'état des prisons françaises et tout ce qu'on veut. Mais si on veut un jour que les choses s'améliorent, il va falloir commencer... à faire peut-être des changements dans la façon quotidienne et puis même dans la logique d'enfermement des personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le dernier jour? Comment es-tu mort, Yvan? Comment et surtout pourquoi es-tu mort en fait, hein? Qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, j'ai ces deux cartes qui sont venues ensemble, je vais les laisser et je vais faire un tirage de tendance du jeu. J'ai la carte ferme en coupe. Voilà, prison fermée, hein. Et en coupe des illustrations, j'ai le tribunal. Donc oui, il avait pris du ferme. On est bien d'accord. Allez, je la mets là. Et nous allons tout de suite commencer à trier
les illustrations pour les ventres jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ta mort, Yvan? Et je ne suis pas quelqu'un qui tutoie facilement les gens. Et là, j'ai cette facilité. Je suis désolée, j'espère que je ne choque pas les gens si des membres de sa famille voient la vidéo. C'est pas du tout un manque de respect, c'est une question, je pense, de discours. Je pense que c'est quelqu'un qui avait certainement le tutoiement très facile. Et j'ai cette sensation-là que c'est plus simple. Yvan. Ouais, on lui a vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, qui a été vraiment mal vécu. Je sais pas comment il est décédé, à vrai dire. Mais il y a vraiment de la violence. Alors, il était vraiment angoissé. Ah oui. Donc, vous voyez, hein, il savait qu'il était menacé. Il avait déjà certainement subi des coups ou des pressions. Pour moi, vraiment, il y a eu quelque chose qui était une sorte de pression quotidienne. D'accord, bon, voilà. Le diable, hein, se conformer. La douleur. Les habitudes. Une dette de temps. Changement avec la mer. Et le chagrin avec le serpent. Donc, j'ai demandé ce jour-là ce qui s'était passé par rapport à son décès. Yvan Colonna semble avoir été mis au courant qu'il risquait vraiment de perdre la vie. C'est quelqu'un qui a vraiment voulu essayer de prévenir autour de lui. Personne ne l'a écouté. C'est quelqu'un qui vivait depuis plusieurs jours dans une situation qui n'était pas confortable et qui lui faisait vraiment faire du souci, énormément de soucis. Pour moi, il y a des responsables au-dessus, des personnes qui sont ici symbolisées par le diable et qui n'ont pas voulu écouter ce qu'il avait à dire. On ne l'a pas pris au sérieux, comme si l'administration pénitentiaire, dans ce cas présent, avait préféré se conformer à la législation plutôt que de réfléchir à ce qu'on pouvait leur dire. D'ailleurs, pour lui, ça a été quelque chose de très douloureux parce que je pense que c'est quelqu'un qui aurait fait sa peine sans sourciller. D'ailleurs, j'ai entendu plusieurs émissions de Maton, excusez-moi, de gardiens de prison, qui disent que les Corses sont des personnes relativement faciles, entre guillemets, à surveiller parce que ce sont des personnes qui sont très propres, leurs cellules visiblement sont propres, et des personnes qui n'ont pas de manque de respect gratuitement. Et pour moi, vraiment, il y a vraiment de la douleur ici à ne pas pouvoir sortir, à ne pas pouvoir accéder à cette luminosité. Alors, évidemment, on sait qu'il y a des manifestations d'une certaine façon sur le territoire corse, mais pour moi, surtout ici, c'est comme si on lui avait dit qu'il crachait dans le désert, que ce qu'il avait fait était quelque chose de normal, entre guillemets, une action qui aurait pu être normale, mais il s'est senti seul, il y avait personne. En fait, c'est comme si on l'avait abandonné. Alors, je ne parle pas de la famille, là, je parle d'une troupe, d'une confrérie, de quelque chose comme ça. Et il savait d'habitude que c'est des gens qui prenaient facilement la parole, qui étaient forts en bouche, mais qui n'agissaient pas. On parle d'une dette, mais on me montre le temps. Je pense qu'on peut nous symboliser le temps d'incarcération qui lui restait ici. Et on peut nous parler aussi d'une problématique autour de l'argent et d'un retard. Quelque chose qui était dû et qui n'était pas payé. On me montre ici la relation maternelle avec l'allaitement et on nous parle de changement. Alors, on peut nous parler ici d'une situation sur les dernières heures de sa vie, au dernier jour. Vous savez, pour moi ici, on nous montre une réelle dépendance en fait. Hein, le tout petit enfant qui est dépendant du sein maternel. Eh bien ici, c'est comme si on nous disait qu'il avait un peu lâché ce côté très humain, qu'il n'y croyait plus. Et que malheureusement, il savait qu'autour de lui, il y avait des grands traîtres, des grands poisons. Et cela l'a beaucoup attristé. J'aurais voulu avoir une information complémentaire concernant, voilà, donc là j'ai la honte, ok. La honte et l'illusion, le monde parfait. Hmm. Mais par-dessus, j'ai être et sourire ainsi.
Ouais, c'est quelqu'un qui avait vraiment du mal à supporter ce qui lui arrivait. Le dernier jour de sa vie, donc là, on me dit vraiment qu'il y a eu une question qui a été évoquée avec lui, des discussions qui ont été faites, auxquelles il a participé, qui l'ont mis extrêmement mal à l'aise. Il avait notion qu'il ne, il avait, semble-t-il, en tout cas, notion qu'il risquait de ne pas ressortir vivant de là où il était incarcéré. Je vais ranger ce jeu et je vais prendre tout de suite le tarot de la lumière pour voir ce qu'on peut nous indiquer avec ce jeu, si on peut avoir quelques compléments d'information sur le décès d'Ivan Colonna, et puis voir après la responsabilité ou non, éventuellement aussi dans l'affaire Erignac, ça peut être intéressant de voir ce qu'il en était, et pourquoi et comment, et d'aller toujours plus loin, hein. C'est l'intérêt aussi de faire plusieurs tirages avec plusieurs jeux différents. C'est qu'on multiplie la potentialité d'avoir quelques réponses. Et pour moi, c'est très important d'aller au bout de ce que je peux afin de ne pas me contenter du minimum. Donc, j'essaye toujours de vous proposer des tirages les plus précis possibles avec évidemment un maximum d'informations qui pourraient vous intéresser. Donc là, c'est Ivan Colonna. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il décédé? Est-ce que c'est vraiment comme on nous en a fait la description d'un point de vue médiatique ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? Moi, je vois vraiment des discussions. C'est comme s'il y avait eu un parloir ou une discussion dans sa cellule. Allez, on a le 10 de coupe ici qui arrive pour représenter la coupe de ce jeu. Et le 10 de coupe, alors, le 10 de coupe ici, c'est un serpent qui, enfin, ce sont deux serpents qui sont emmêlés l'un à l'autre. Et avec cette symbolique, on nous parle de quelque chose qui est harmonieux, qui est plutôt partagé. Donc, on parle ici d'un homme qui avait un foyer avec des choses qui se passaient plutôt bien. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est comment s'est passé ce décès. Donc, on a du 5 de bâton avec le 9 de bâton. Donc, on reste dans la même couleur, entre guillemets. Et ces cartes arrivent à l'endroit. Donc, ce jour-là, il y a eu beaucoup de disputes. Le 5 de bâton nous parle de compétition et de confrontation. Ici, il y a bien eu une discussion, une confrontation, un échange vif par rapport à un sujet. Ici, il nous dit avec le 9 de bâton que Ivan Colonna a fait preuve de courage et de persévérance. C'est quelqu'un qui a fourni tout ce qu'il a pu en termes de dévouement, d'effort et de. Il allait au bout. C'est quelqu'un qui ne s'arrêtait pas. Par contre, il y a eu des conflits avec ça. Valet de coupe et la mort renversée. D'accord, donc le valet de coupe ici n'est pas tout à fait non plus une bonne chose, puisque ce valet de coupe nous parle plutôt de sensibilité, de relations privées, de relations qui peuvent être plutôt placées sous l'ordre sentimental. Mais elle arrive avec cette carte qui m'inquiète un petit peu dans le 5 de bâton précédemment, qui nous parle de tension. Donc attention, puisqu'ici on nous dit que non seulement il y a eu des tensions en interne, mais des tensions dans sa vie personnelle également. Et la mort qui arrive renversée, donc nous indique la fin d'une étape, la fin d'une période, la fin d'un cycle. On peut nous dire aussi qu'il était peut-être en partance, je ne sais pas s'il devait être transféré de centre de détention, aucune idée. En tout cas, ça a été retardé. Et on nous parle ici vraiment de stagnation, de choses qui ont pris du temps. D'ailleurs, je crois qu'on peut tout à fait relier cette situation également avec une acceptation. Pour moi, Ivan Colonna n'arrivait pas à accepter les trahisons qu'il a pu voir autour de lui. Je pense qu'il a vraiment appris des choses pas agréables et ça l'a beaucoup contrarié. J'ai pas l'impression qu'il ait eu le temps d'en parler vraiment. Mais en tout cas, peut-être à des gens qui étaient incarcérés avec lui, je ne sais pas. 7 de bâton ici nous confirme qu'il a fallu du courage, de la détermination face à l'adversité. On nous parle de quelqu'un qui s'est affirmé, qui n'a pas eu peur de se montrer comme il était, et puis d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de l'adversité. Et là, on a le diable qui arrive de nouveau renversé. Donc, on a la mort et le diable dans la même lignée. Et ce diable renversé nous parle d'une libération. Il voulait reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui en avait marre de se laisser guider par le bout du nez. Donc, je pense que s'il appartenait à une organisation quelconque, il avait vraiment pour but de tout arrêter. Hein. Par rapport à ça, il s'est bien rendu compte qu'en gros, ce qu'il avait pu fournir comme chose ne lui était jamais rendu, qu'il y avait un déséquilibre autour de lui.
Le chariot, d'ailleurs, nous parle de détermination et puis de contrôle. On nous dit que c'est quelqu'un qui avait tout pour partir en conquête, que c'est quelqu'un qui, bah, vous voyez, il part un petit peu à la conquête du monde, à la conquête des événements. Et on nous parle ici d'une personne qui aurait pu, en tout cas si elle avait fait ce choix-là, à ce moment précis, prendre le contrôle de la situation et envisager un voyage qui aurait pu être très positif. La lune ici, alors la lune représente bien entendu souvent les secrets et les choses qui sont cachées. On nous parle de nouveau d'angoisse avec la lune, on nous parle d'illusion. On nous dit vraiment que pour ce monsieur, il y avait une vraie part d'ombre qui était vraiment associée à ce départ. C'est-à-dire que les choses n'ont pas été faites avec les intentions qu'il aurait pu et qu'il a fomenté, je dirais, soit il préparait peut-être une évasion, soit en tout cas il a préparé des choses pour arriver à sortir de ce système de détention. Et on nous dit vraiment qu'il l'a fait en toute connaissance de cause pour... Eh bien parce qu'il avait envie et besoin de partir de là-bas pour exprimer, régler des problèmes. Voilà, régler des problèmes, exprimer sa frustration et sa colère aux bonnes personnes. Le 2 de bâton qui arrive retourné nous parle d'un manque de stratégie ou un manque de planification. Donc peut-être qu'il a agi vraiment sur un coup de tête et que bah, malheureusement, soit il avait pu demander de l'aide à quelqu'un qui l'aurait mal pris, soit il a trop parlé. Mais ici, c'est complété avec la dame de denier qui est plutôt quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable. On nous dit que c'est quelqu'un qui va savoir prendre soin de l'autre. Par contre, avec le 2 de bâton retourné, eh bien, il y a une vraie manque de stratégie de la part d'Yvan Colonna. Donc, il avait du soutien et il a, semble-t-il, fait preuve d'une véritable impatience où il a eu peut-être des mots malencontreux, mais avec les mauvais interlocuteurs. Le 8 de coupe. Alors, ce 8 de coupe qui est à l'envers, il nous annonce du coup une difficulté en fait pour lâcher prise et un refus de changement. Voilà, quelque chose qui appartient à quelqu'un qui aurait pu ne pas vouloir lâcher un contrat, lâcher son domicile, lâcher des engagements. Il y a eu quelque chose qui a été refusé de la part d'Yvan ce jour-là. On a dû peut-être lui demander de lâcher l'affaire, entre guillemets, si j'ose parler ainsi, en nous disant, c'est soit la peste, soit le choléra, quoi, quelque part. Et il n'a pas pu choisir, puisqu'il n'y avait pas de choix digne de ce nom pour lui. Il attendait une négociation qui était normalement plus intéressante, mais qui n'a pas eu lieu. Ici, on nous dit d'ailleurs qu'il s'est fait avoir par nostalgie. C'est quelqu'un qui avait comme... là, pour moi, on est relié à un ami d'enfance. On nous parle de l'enfance, on nous parle de quelqu'un qui était de confiance et qui n'a pas été au bout des engagements comme Yvan aurait pu l'imaginer. On parle, pour moi, d'un homme ici qui avait vraiment de... C'était quelqu'un de simple, Yvan Colonna, qui comptait énormément sur ses souvenirs passés et sur les gens qu'il jugeait fiables. Pourtant, pour moi, on me dit vraiment que ce jour-là, il y a eu une trahison. Donc, on va essayer de savoir quoi et comment en posant la question au niveau du préfet Erignac. Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette histoire de préfet Erignac? Quelles étaient les réelles motivations? Et est-ce que c'est lui qui a vraiment commis ce meurtre? Préfet Erignac. De nouveau 6 de coupe, 4 d'épée, le mat et le 5 de bâton renversé. Ok, donc comme je vous le disais à l'instant, hein, je ne vais pas revenir plus profondément que ça sur le 6 de coupe puisqu'on vient juste de le voir, mais il vaut quand même le coup d'être réinterprété puisqu'ici, dans la situation entre guillemets présente, il prend un autre sens et il nous dit que c'est ce qu'il reste en fait de ce sentiment. Donc ce 6 de coupe nous dit qu'il est resté quelqu'un de simple, quelqu'un de nostalgique, quelqu'un qui avait besoin et envie de retrouver son cocon. Qu'est-ce qui a été quelque chose de plus favorisant chez lui par rapport à cette histoire, par rapport à ce qu'on lui demandait ou pas de faire? Eh bien, on nous dit que c'est quelqu'un qui était très dynamique, qui ne savait pas s'arrêter. C'est quelqu'un qui allait toujours au bout vraiment de ce qu'on lui demandait, des engagements qu'il avait pris. Et c'est quelqu'un qui était plutôt quelqu'un de solitaire. Ici,
avec le cavalier de denier qui arrive retourné, eh bien, on nous parle d'une personne qui a fait preuve d'inconstance autour de lui, quelqu'un qui était assez irresponsable. On nous parle vraiment de manque de fiabilité ici. Donc, attention, parce que pour moi, par rapport à cette histoire de procès du préfet Erignac, eh bien, il semble quand même que le cavalier retourné nous parle d'incompétence et d'irresponsabilité. Donc, il pourrait effectivement y avoir eu quelque chose qui se soit produit, mais qui n'ait pas été peut-être assumé. Nous avons ici une suggestion, donc nous avons le mat en suggestion, et cette carte du mat nous indique un nouveau départ, une originalité, on nous parle plutôt d'insouciance, et encore une fois, c'est relié comme à un enfant intérieur, c'est comme si ce monsieur avait gardé sa joie d'enfance ici. Et enfin, donc nous avons la conclusion ici avec le 5 de bâton retourné, qui nous dit en conclusion, eh bien, qu'il y a eu des tensions qui ont été apaisées suite à ce décès et qu'il y a eu de nouveau des négociations et de la coopération qui ont été permises. Donc, effectivement, je crains que M. Colonna n'ait bien agi pour le compte de quelqu'un afin d'apaiser une certaine crise. Mais si l'histoire du préfet Erignac vous intéresse, je lui dédierai un sujet à part entière. Je voudrais terminer avec ce tirage en étant la plus complète possible avec le grand était là. Et on va demander ici ce qu'on peut nous dire sur le décès d'Yvan Colonna, sur ce qu'il disait de son vivant, qui il était, et quelles étaient les énergies qui entouraient Yvan Colonna avant qu'il ne nous quitte. Et c'est une personne, je crois, qui était menacée, hein, si je ne m'abuse. C'est quelqu'un, il me semble, qui avait dit qu'il était menacé au niveau de la carcérale et qu'il avait exprimé à de nombreuses reprises. Après, c'est sûr que, bon, je ne mets pas en cause le travail de quiconque, hein, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas du tout surveillante de prison. Maintenant, il y a un véritable problème au niveau des matons, c'est qu'on n'arrive pas à les recruter. Que les recrutements sont faits notamment avec des budgets qui sont offerts aux personnes qui peuvent venir par exemple des dom-toms. Donc on va leur donner une certaine somme d'argent supplémentaire pour venir travailler ici sur le continent. Et du coup, ces personnes ne sont pas forcément tellement motivées par le métier de maton qui pourtant devrait être un sacerdoce, mais plus par l'enveloppe qu'on leur promet de recevoir en plus de leur salaire. En trois fois, je crois que c'est 10 000 euros qui est donné aux personnes qui acceptent de devenir surveillants de prison quand on vient des dom-toms. Et il me semble d'ailleurs que ce ne sont pas tous les dom-toms qui n'ont pas le même barème. Donc, si vous venez de La Réunion, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que vous serez, vous aurez une certaine prime. Mais si vous venez, je ne sais pas moi, de quel dom-tom, vous aurez peut-être moins. C'est un peu la roulette russe. Et du coup, ça favorise peut-être, hein, je ne suis pas sûre, mais il est possible en tout cas, qu'on attire des personnes qui ne sont pas du tout là pour la vocation, mais bien pour l'argent. Et il y a beaucoup, beaucoup d'arrêts maladie également dans le milieu carcéral. Hein. Les matons sont souvent en arrêt maladie parce qu'elles n'en peuvent plus des conditions de travail. Et du coup, il se peut que les choses ne soient pas possiblement améliorées avec des conditions pareilles. Cependant, je ne pense pas qu'on mette des gens en prison afin qu'ils y perdent l'existence de cette façon-là. Donc, je serais tentée de dire que si la justice ne favorise pas des conditions de détention dignes de ce nom, avec moins de 5 individus par cellule, par exemple, eh bien, c'est compliqué de ne pas arriver sur des situations, certainement, hein, parfois de meurtre ou autres horreurs qui peuvent survenir en prison. Alors, le passé. Tout de suite, on nous parle de son passé à Yvan Colonna, et ici avec cette carte qui représente la coupe, et plus précisément, donc, eh bien, les 6 coupes. Le passé, en fait, était ici pour lui rapporter en souvenir des choses qui avaient pu fonctionner. On nous dit, en fait, cette carte rappelle des événements de la vie antérieure, et ça jette un regard sur tout ce qui pourrait advenir. Donc, le passé pour construire le présent.
Et peut-être qu'on nous dit qu'ici, il y a bien eu une intervention, une motivation de quelqu'un qui appartenait à son passé. Le voyage. Le voyage avec l'inaction. Très intéressant et très antinomique, puisque un voyage avec de l'inaction, ça peut paraître complètement illogique. Cette carte numéro 1 parle de l'évangile et nous parle d'un voyage qui aurait été bénéfique, donc d'un changement. Je pense qu'on peut parler ici d'une demande de mutation. D'ailleurs, on me dit que ça nous permettrait un rapprochement avec des personnes avec qui il était en froid et que ça aurait pu lui faire du bien moralement pendant cette détention. Il avait besoin de se rapprocher de personnes qu'il connaissait et avait ce besoin de voyager, entre guillemets. L'inaction, avec le cavalier tartare, ici la carte 66 qui arrive renversée, nous dit qu'il a été trop insouciant et qu'il a trop fait confiance à des personnes qui l'entouraient. On nous dit qu'il y a eu des amis autour de lui et qu'ils l'ont abandonné, mais surtout qu'ils lui ont mis des couteaux dans le dos. Ah oui, oui, oui. Donc là, je vais pas retourner la bonne carte. Pardon. Vertu et justice. Donc, je ne sais pas s'il était déjà jugé, s'il avait déjà eu son jugement ferme par rapport à ce qui lui était reproché, ou s'il était en préventive. Mais en tout cas, ici, on nous parle de la vertu et on nous dit que c'est quelqu'un qui était plutôt proche de la terre, plutôt proche des valeurs classiques humaines, mais très rare aujourd'hui, quelqu'un qui respectait son environnement, la terre de laquelle il était issu. Et pour lui, se faire justice, ici, ressort puis avec la vertu. Et on nous parle pour moi clairement d'une personne qui était loyale, qui était très intègre, quelqu'un à qui il pouvait vraiment... c'est quelqu'un à qui on pouvait vraiment faire confiance, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui avait vraiment le code de l'honneur, comme dans l'ancien temps. On nous parle vraiment d'une personne qui avait des principes qui ne sont plus trop d'actualité, je crois, aujourd'hui. D'ailleurs, on nous dit que c'est cette personne qui... que les choses, en fait, qu'il voulait, c'était juste pour améliorer son train de vie par rapport à ses terres, par rapport à ses origines. C'est vrai que c'est étonnant. Hein. Je suis surprise. La folie avec les incidents. Donc, pour moi, on nous présente un monsieur qui voulait être dans sa vie plus posé, plus calme, que tout se passe bien, mais qui a eu une mauvaise attitude. On nous confirme avec la folie ici qu'il n'a pas su prendre les bonnes décisions et qu'il a fait quelque chose qui a conduit à ces incidents. Ces incidents qui sont représentés ici, ben, pour moi, sont clairement des incidents qui nous parlent de quelque chose qui n'était pas prévu. Et son attitude a déclenché une certaine colère autour de lui. Il y avait beaucoup de critiques autour de lui et il y a eu vraiment des incidents qui sont regrettables. Donc, je pense par exemple à de l'empoisonnement, à des coups de couteau, à des choses de ce genre. Pour moi, il y a vraiment eu plusieurs tentatives. Le retard. Le retard avec le logis, oui. Pour moi, il n'était pas parti dans sa tête pour rester longtemps incarcéré. On nous disait pourtant que la situation n'était pas faite pour être écourtée rapidement. Là, c'était parti pour durer. Elle nous annonçait donc cette carte également des ennuis, des choses qui étaient un peu compliquées pour lui et qui ne s'annonçaient pas du tout faciles à résoudre. Il était parti pour, je pense, plusieurs accusations, notamment de choses qui ne relevaient pas de sa responsabilité. J'entends, et en plus, c'est pas comme si c'était de mon fait. Après, j'ai le logis. Alors, ce logis ici qui nous dit que c'était un moment pour lui qui aurait pu être bénéfique pour, au contraire, consolider ses liens familiaux, essayer d'augmenter son train de vie. Alors, peut-être pas dans le sens luxueux, mais faire quelques travaux. Il avait l'opportunité, finalement, à ce moment-là, d'accepter un certain calme qu'il a, semble-t-il, refusé à mauvaise escient puisque ça lui a coûté la vie. En tout cas, ça l'a emmené en prison. Et voilà, alors prudence et obstruction, bon ben voilà, clairement. Pour moi, on lui a joué vraiment de mauvais tours. Et on, alors des personnes proches de lui, peut-être son avocate ou son avocat, sa femme, des amis, des frères et sœurs. En tout cas, des gens lui ont dit qu'il y avait vraiment autour de lui quelque chose qui se programmait et qui était dangereux. Et il a eu des paroles et il a aussi eu des écrits qui lui ont indiqué ce qui se passait.
Ici, il ne faisait confiance à personne. Il avait décidé de ne faire confiance à plus personne et faire attention, en fait, à la façon dont il s'exprimait. C'est un peu comme si on montrait quelqu'un qui avait sombré tout doucement vers de la paranoïa, mais à juste titre. D'ailleurs, ici, il savait qu'il y avait une obstruction qui ne dépendait pas de lui. Il était tout à fait au courant qu'il y avait des personnes influentes autour de lui qui refusaient de lui rendre un service, qui refusaient de l'aider ou d'accéder à ses demandes. La faillite avec l'indécision. Et ces refus ont conduit malheureusement au décès d'Ivan Colonna. Parce que c'est vraiment lié, là, les choses arrivent les unes derrière les autres. Et on nous dit ici qu'il y a eu un vrai problème qui s'est présenté. Un décès, quelque chose qui a cloué la situation. Qui a cloué cette situation et l'a rendue immuable. Et d'ailleurs, on parle d'indécision avec cette faillite. Et je crains qu'on ne nous dise ici que si la situation est devenue telle qu'elle était, c'est parce que... Il a été à un moment lâché. C'est quelqu'un qui à un moment a été pas surveillé. Quelqu'un qui a été... c'est comme si on disait, voilà, on nous a fait regarder à droite pendant qu'il se passait des choses à gauche. Donc si je reprends voyage, folie, prudence, inaction, incident, obstruction, vertu, retard, faillite, justice, logis, indécision. Pour moi, on est vraiment sur une situation qui n'était pas de son fait. Il y a des choses qui ont été vraiment programmées et je dirais plusieurs mois avant. On dit ils sont servis de ce qu'ils pouvaient. C'est pas très clair, je suis désolée, ils sont servis. J'entends, ils sont servis de ce qu'ils pouvaient ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que des choses lui ont été mises sur le dos? C'est quelqu'un qui parlait sûrement très vite. J'ai vraiment du mal à comprendre ce que j'entends. Alors, j'ai l'impression qu'on parle d'une Sabine, d'une Sabrine, d'une Sandrine, peut-être. Je ne sais pas où en était Ivan Colonna dans sa vie de couple, mais à ce niveau-là, il y a vraiment... ça me marque une femme. Alors, peut-être que c'est pas sa femme, hein, peut-être que c'est sa sœur ou quelqu'un qui travaillait avec lui. Je vais reprendre le jeu de haut pour terminer, parce que je sens qu'il y a encore des choses qu'il souhaiterait nous faire... parvenir comme message. Donc là, je vais laisser les choses. J'aime bien de temps en temps procéder ainsi. Là, je laisse complètement mon énergie faire le travail. Qu'est-ce que tu voudrais me dire? C'est comme si j'avais l'impression là d'être passée à côté de quelque chose d'important. Je ne peux pas clôturer le jeu. Il y aura peut-être des blancs, mais au moins, vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas du tout de tromperie dans la façon de faire. Voilà. Je sais pas, on s'en fout complètement. Ça, c'est pas grave. Tant que le message peut passer, c'est tout ce qui compte. Parce que si vous saviez, je peux pas expliquer forcément tout sur YouTube non plus, parce que j'ai pas envie non plus... qu'on me prenne pour quelqu'un qui serait un peu trop parano, illuminé ou quoi, mais il y a des choses que j'entends parfois lors de certains tirages qui me mettent dans un état de rage absolu avec des véritables injustices et des personnes qui sont tout à fait au courant. C'est très rare en fait que nous n'ayons pas de mensonges qui nous sont imposés comme étant des vérités. Et ça, c'est très agaçant. Parce que si vous saviez à quel point... et jusqu'où ils vont. Je crains que c'est pas plus mal peut-être que les choses ne soient pas sues, toujours à l'avance, dans la mesure où on ne peut pas faire grand-chose pour les arrêter, malheureusement. Ce qui est en marche est en marche. Pour les personnes croyantes, eh bien, vous savez, dans les textes
que c'est prévu malheureusement et ça arrive à grands pas. Alors la disgrâce de nouveau avec un médecin. Est-ce qu'elle était enceinte, sa femme? Là, c'est la deuxième fois que pour moi, ça peut représenter un gynéco, en tout cas. Donc là, pour moi, est-ce qu'il avait encore, par exemple, 5 mois de prison à faire sur le sol? Ah oui. Donc, effectivement, le jour où il est décédé, quelqu'un l'a convoqué, lui a donné un faux prétexte, lui a menti, et l'a complètement mis hors d'atteinte. Lui, il a fait confiance à cette personne, malheureusement. Donc c'est bien un homme, plutôt quelqu'un de solitaire, qui n'est pas forcément fier de ce qu'il a fait. Ah, la femme! Parce que moi, j'ai une notion de femme avec Yvan Colonna quand même. Je pense qu'il y a une femme qui est au courant de ce qui lui est arrivé. Peut-être que c'est une dame de la pénitentiaire, aucune idée. Une avocate, je ne sais pas, mais vous voyez, une femme avec qui il y avait des relations tendues. Il y avait de la violence, il y avait des choses qui n'étaient pas cool. Et là, nous avons la mort avec la contrainte et le rival qui s'en sort bien. Le rival, il est en Corse. Hein. Il est en tout cas sur une plage. Il est surtout dans une situation qui lui convient très bien. Donc pour moi, Yvan Colonna a fait preuve de courage tout au long de sa vie. C'est quelqu'un qui s'est fait complètement berner, à qui on a complètement menti, qui n'a pas eu de chance dans ses relations. Je pense qu'il était encore enfermé pendant peut-être 5 ans ou 5 mois. Il y a une notion de 5 ici qui ressort. Il a échoué, alors non, je ne pense pas que ce soit forcément lui qui soit dans cette situation de faillite, mais c'est des gens qui ont essayé voilà, de l'essorer jusqu'à la corde qui n'y sont pas arrivés. C'est des personnes qui étaient pourtant très néfastes, hein, des personnes qui ont dû faire preuve d'autres procédés pour obtenir leurs résultats et qui cette fois ont eu le succès escompté. Puisqu'ici, nous voyons bien que la contrainte est arrivée avec le décès. Voilà, la vidéo pour Yvan Colonna est enfin de nouveau disponible. Je vais en arrêter là. Les cartes, je ne peux pas vous dire si c'était vraiment sensiblement les mêmes ou pas. Car j'ai de plus en plus d'impossibilité en fait de me rappeler des tirages que j'ai produits. Ça ne passe pas forcément par mon cerveau et du coup je fais le tirage et j'oublie relativement vite les informations qui sont dedans. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde sa propre chaîne du tout. Donc voilà, mais j'espère en tout cas que vous aurez trouvé des choses intéressantes dans ce tirage. N'hésitez pas à me dire si vous aviez des questions complémentaires concernant Yvan Colonna. Si vous avez par exemple, je ne sais pas, une ou deux questions en particulier. Ce que je peux vous proposer, c'est de me les faire parvenir sur mon Instagram afin que je les collecte de mon côté. Et que je vous propose une vidéo update en essayant de faire un peu comme pour le petit Grégory, répondre aux questions qui reviendraient le plus souvent. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour tous les autres sujets, c'est pareil. Si vous avez envie de discuter autour de ça, si vous avez des questions supplémentaires, c'est toujours avec beaucoup d'intérêt que j'ouvre vos messages et que j'essaye de répondre, bien entendu, au maximum d'entre vous. Et je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous apportez à cette chaîne dans votre dynamisme et dans votre présence à mes côtés. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.